Le rôle du massman à bord de l'Hermione consiste à faire la transition entre la cuisine et la batterie. Comme ça, quand l'équipage arrive, tout est prêt. Ils n'ont plus qu'à servir dans la batterie. Ensuite, il consiste à mettre en place les collations, à faire le poste de propreté de la grande chambre, donc là où logent les officiers, et à faire la lessive de l'équipage. Alors, la journée typique, le rondier vient me réveiller à 6h30 du matin. Donc à 6h30, je me lève et je commence à mettre la mise en place avec deux aides qui m'ont été données du tiers de service. Donc là, je fais la préparation du petit-déj. Je vais remonter les céréales, enfin tout ce qu'il y a besoin pour le petit-déj. Et j'ai mes aides cuisine qui sont là-haut en train de mettre en place sur table. Une petite corbeille de fruits avec des légumes pour les petits suédois. Salut Steph. Ça ? Ensuite, après le petit-déj, on débarrasse, on fait la vaisselle. Je m'occupe du nettoyage de la grande chambre. La grande chambre se situe à l'arrière du bateau. C'est là où loge le commandant, le commandant en second et le chef mécanicien. Donc c'est le quartier des officiers. Après, je fais le fika de 10 heures. Fika, ça veut dire collation en suédois. Et du coup, tout l'équipage a gardé ce mot-là. Et à chaque fois qu'on dit collation, enfin on dit fika à la place, quoi. Par rapport à Emile et Jens, au suédois, quoi. C'est un petit clin d'œil à chaque fois pour eux. Après, je m'occupe aussi des lessives. Entre deux, je me trouve des créneaux pour faire fonctionner les machines pour l'équipage. Donc les panières sont réparties en deux. Il y a le linge de travail, le linge qui sert à travailler ici sur Hermione, où ils ont du goudron dessus, tout ça, et le linge perso, où c'est un linge plus propre. Comme ça, on évite de, avec le goudron, de salir le linge perso. Donc on évite de les mélanger. Alors, ensuite, je mets la mise en place du service du midi. Donc avec l'aide du monte-plat, ce qui me permet de ne pas me casser la figure dans les descentes, de pouvoir hisser les plats jusqu'ici. Donc là, je vais sonner la cloche pour annoncer le service. Dans l'après-midi, je finis mes lessives. J'enchaîne avec le service du soir qui commence à 19h. Et après le service du soir, c'est fini. Et à chaque service, j'ai deux aides qui viennent m'aider pour fignoler tout ça. Que des petites paroles gentilles comme ça le matin, le midi, le soir, je pense que c'est agréable à faire. Et je m'efforce de refaire sortir une bonne ambiance dans la batterie en allant les voir chacun.